Bonjour à tous et bienvenue dans mon univers. Alors, vous croyez à des contes de fées et à des histoires qu'on vous raconte lorsque vous dormez? Si oui, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Alors, aujourd'hui nous allons parler de l'arc-en-ciel et de son secret dans les délits. Mais avant tout, je vous demande de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour qu'elle soit bénéfique pour tout le monde. C'est parti. Aux yeux de Dieu, les hommes s'étaient corrompus et avaient rempli la terre d'actes de violence. Dieu observait ce qui s'est passé sur la terre et il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal. Alors Dieu dit à Noé, « Je décide de mettre fin à l'existence de toutes les créatures car à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. » Je vais les détruire ainsi que la terre. Mais toi, construis un grand bateau en bois résineux, tu en diviseras intérieur en compartiments et tu enduiras intérieurement et extérieurement des goudrons. Alors Dieu donna tout à Noé, les chemins, le processus qu'il fera pour qu'il puisse rester en vie, lui, sa famille et les animaux. Noé entrant dans les bateaux avec sa femme, ses trois fils et ses trois belles-filles, ainsi qu'avec toutes les sortes d'animaux. À l'an 600, au septième jour du deuxième mois de l'année, la pluie tomba sur la terre durant 40 jours et 40 nuits. Durant la pluie, les eaux montèrent et grossirent jusqu'à former une masse énorme et le bateau dériva sur les flots. Le niveau de l'eau montait de plus en plus, de sorte que toutes les hautes montagnes sous les cieux furent submergées. Les eaux s'élevèrent de 7 ou 8 mètres au-dessus du sommet des montagnes qui disparurent sous les flots. Et toute créature qui bougeait sur la terre périt. Les oiseaux, les bétails, les animaux sauvages, toutes les bestioles qui pillaient sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui respirait sur la terre ferme mourut. Ainsi l'Éternel effaça de la surface du sol toutes les créatures vivantes, depuis l'homme jusqu'au bétail, y compris les animaux qui se mévara de la terre et les oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre et ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans les bateaux. L'an 601, de la vie de Noé, les premiers jours du premier mois, les eaux s'étaient résorbées sur la terre. Noé enleva la toiture du bateau et il regarda dehors et constata que la surface du sol était sèche. Le 27e jour du deuxième mois, la terre était complètement sèche. Alors Dieu dit à Noé, sors du bateau avec ta femme, tes fils et tes belles-filles. Fais sortir aussi tous les animaux qui sont avec toi, les oiseaux, les bestiaux, les bêtes qui se meuvent à ras des terres, qu'ils se répandent sur la terre et qui se reproduisent et qui se multiplient. Noé sortit avec ses fils, sa femme et ses belles-filles. Tous les animaux, les bêtes qui se meuvent à ras des terres, et les oiseaux, tous les êtres qui grimpent sur la terre, sortirent du bateau par famille. Dieu ajouta et dit à Noé et à ses fils, « Pour ma part, je vais établir mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, ainsi avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Je m'engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus jamais détruites par les eaux d'un déluge et qu'il n'y ait plus de déluge pour ravager la terre. » Après, Dieu ajouta, voici les signes de l'alliance que j'ai conclue pour les âges à venir entre vous et moi et tous les êtres et tout être vivant qui est avec vous. Je place mon arc dans les nuées, il servira des signes d'alliance entre moi et la terre. Quand j'accumulerai des nuées au-dessus de la terre et que l'arc apparaît dans les nuées, alors je me souviendrai de mon alliance avec vous et avec tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, et les eaux ne formeront plus de déluge pour détruire l'ensemble des créatures.
L'arc sera dans la nuée et je regarderai pour me rappeler l'alliance éternelle conclue entre moi et toutes les créatures de la terre. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche de notification et partagez-la pour que ceci soit bénéfique pour tout le monde. Merci et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Les déluges et l'arc-en-ciel. À la prochaine.